Afugeida nana. Vous avez écouté le bout, vous avez écouté ce petit bout là, aïe aïe aïe, ça va chauffer. En tout cas, la petite Rosine Layo a réveillé la lionne à Fouquita, qui dit quoi, qui dit si quoi, et en featuring avec El Panturo, mix premier. En tout cas, ça va pas connaître. Dans cette vidéo aussi, on parle des débords de Likoufa et de l'album Apogée. Je vous donne certains détails, on va se prendre juste après le générique. Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Bon retour, merci de vous abonner, merci de liker. Merci de liker en tas et de partager, vos avis comptent. Je commence par Desbordeaux et son album ou je commence par ce gros featuring là? Enfin, parlons de Afukeita, parce que Afukeita a quand même fait le buzz il y a quelques jours de cela avec Rosine Layo, l'étoile très filante et très montante de la musique ivoirienne qui cartonne de ouf actuellement. Franchement, ça fait un bon bout de temps que les chaînes YouTube de certains artistes ivoiriens sont un peu bizarres. Mais celle de Rosine Layo marche à la performance. Et c'est bien de la féliciter. Mais ce n'est pas d'elle qu'on parle dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on parle d'un featuring. Un featuring que je pense pour ma part, un featuring revanche. Il y a la vengeance et la revanche. Voilà, revanche, c'est-à-dire, si vous voulez... prendre une défaite, prendre une douleur et en faire une force. Et on va dire, je pense pour ma part, aux sorties de cette polémique là, la grande Afukeita avait fait montre de son talent, avait dit simplement que c'est vrai que j'adore bien ma petite Rosine Layo. On a eu des problèmes concernant des questions de droits d'auteur, mais il n'y a pas d'animosité. Je veux l'accompagner et je veux l'accompagner avec ce featuring là. Pour dire que il y a longtemps on chante. Voilà. La musique, c'est notre travail, la chanson, c'est notre métier. Donc ça chauffe pas. Et elle n'a pas voulu revenir sur la scène musicale seule. Donc elle s'est pris les services du grand, du nom de moine, du coupé décalé, Mix Premier, que moi j'appelle communément DJ Mix, parce que c'est avec ce nom-là que on l'a connu. Et vous imaginez deux puissantes voix sur ce rythme que vous écoutez là. C'est juste un petit bout. Il n'est pas masterisé, il n'est pas mixé. Donc imaginez un peu ce qui va se passer dans ce featuring là. Les challenges TikTok ont déjà commencé à foisonner sur la plateforme. Donc, une chose dessus, ça sera un hit. Maintenant, un hit à la hauteur de Moro Fariman, ça reste à désirer parce que le morceau n'est pas encore sorti. On ne sait pas l'effet que va faire ce morceau-là. Voilà, parce que mine de rien, bien que la polémique a encore boosté les vues de Moro Fariman de Rosine Layo, il faut savoir aussi que tout le monde attend au tournant la mère Afukeita. Mais moi, je vous rassure, la mère Afukeita, c'est une grande chanteuse. Donc, sur ce coup-là, je pense pour ma part que beaucoup vont jouer bidé parce qu'elle connaît son travail, elle maîtrise son métier. Voilà. C'est une chanteuse à voix qui fait un featuring avec un chanteur à voix. Donc, le résultat sera forcément beau. Avec la prod que j'ai écoutée en bas, là, ça ne sera pas bon. Ça sera du balèze, ça sera du lourd même. Moi, je vous rassure que ça sera super archi lourd. Parce que c'est Mix Premier quand même. C'est Mix Premier quand même. Je pense pour ma part que lui sera beaucoup plus dans la partie ambiance et dans la partie refrain. Et la grande Afukeita va nous montrer qu'elle sait chanter. Voilà. Elle va dire à sa petite Rosine Layo que ma fille, c'est moi, une Niores, une Lionne. Et tu vas lire avec ce morceau-là juste pour rigoler. Parce que c'est la musique qui gagne au-delà de la polémique.
Roselyne Layo fait son bon bout de chemin et ça marche très bien pour elle. Et la grande Afu Keita, même qui ne sort pas d'œuf, mais qui tourne énormément et qui décide de nous sortir cette œuvre en featuring avec Mix Premier, ça promet. Voilà. Et moi, c'est ce que je veux pour la musique ivoirienne. Il faut que ce genre de polémique-là incite nos artistes à rentrer en studio et à nous servir de belles œuvres. Voilà, de belles œuvres. C'est ce qu'on attend de la musique ivoirienne. On n'attend pas les clashs, on n'attend pas les discordes, les divergences, c'est pas ce qu'on attend. Voilà. Il faut être unis au-delà de tout. Et moi, je souhaiterais que ces histoires de plagiat-là, qu'on passe dessus, voilà, parce qu'il y a trop de plagiat ces derniers temps, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout ailleurs, il y a trop de plagiat, vous n'imaginez pas à quel point. Mais tant que y a un nouvel esprit sur l'œuvre, tant que il y a une nouvelle façon de faire sur l'œuvre, il faut encourager. Mais je souhaite aussi que ces personnes qui souhaiteraient utiliser l'œuvre ou l'inspiration d'une autre personne, c'est-à-dire d'un autre artiste, de le contacter et lui demander la permission avant de sortir l'œuvre. Voilà. Parlons de l'album Apogée des Bordeaux Liquefaits. Si vous avez bien remarqué, ça fait plus de 2 mois maintenant que Debordo Licoufa est en France. Debordo Licoufa n'est pas allé en France pour regarder la Tour Eiffel, rassurez-vous. Il n'est pas allé en France pour aller faire la frime, s'acheter des vêtements de luxe, des montres de luxe, parce que c'est ce qui la raffole. Il n'est pas allé en France pour s'acheter une des dernières Audi qu'il roule actuellement en France. Non. Il est en France actuellement pour d'abord se rapprocher de certains de ses fans qui ont envie de le voir souvent à certains showcases, mais il est en France pour préparer l'album Apogée. Les gens disent qu'il a annoncé l'album Apogée, mais jusque-là, on n'entend rien. Effectivement, vous avez raison, vous avez pleinement raison. Mais moi, je viens passer des doigts pour vous rassurer. L'album Apogée tient toujours. Voilà. C'est l'un des albums les plus attendus. Et quand on connaît le talent immense et monstre de Bordeaux Licoufa, on sait qu'on doit s'attendre à du lourd. Ça, il faut même pas douter, il faut même pas, comment dire, avoir peur. Voilà. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais l'album Apogée est en pleine cuisine actuellement. Voilà, l'album Apogée est en pleine construction actuellement. Voilà, et vous ne serez pas dessus. C'est quand même Debordeaux Licoufa. Ce que vous devez savoir dans cet album-là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de featuring, beaucoup, beaucoup de surprises et beaucoup, beaucoup de couleurs, trucs musicaux. Soyez-en sûrs. Voilà, vous savez que Debordeaux Licoufa est un artiste pluridimensionnel qui peut vous chanter du souk, du raga, du reggae, du makossa, du zouglou. Bref, c'est un artiste à tout faire. Voilà, ça, sûrement. On peut tout dire de lui, mais son talent là, sûrement, on peut pas cracher dessus. Voilà. Parce que même la légende d'Arafat n'arrivait pas à cracher sur ce talent-là. Il est fustigé surtout sur son caractère, sur son comportement, mais talent, Debordeaux, c'est autre chose. C'est un génie qui n'a peut-être pas encore conscience de l'immense talent qu'il a. Mais moi, je pense pour ma part que c'est un album qui promet. Donc, rassurez-vous, Debordeaux passe ses nuits en studio. Il passe son temps en train de perfectionner ses titres de son album, de 14 titres, il avait dit, je pense que ce sera toujours le même nombre, donc rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est Debordeaux Licoufa. Voilà, si c'est rentré en studio, il faut sortir quelque chose, il peut faire ça. Mais comme il aime bien faire les choses, il veut que nous soyons patients et que nous soyons rassurés qu'il nous sortira l'album dans pas longtemps. Voilà, donc ne pensez pas que Debordeaux n'a plus envie de chanter, il est en train de préparer son album, il est en train de préparer de belles, 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 belles surprises. Donc n'ayez pas peur. Et vous n'allez pas le regretter. C'est Rito qui vous dit ça. Vous n'allez même pas le regretter. Ça sera chaud, ça sera bouillant et ça sera très fort. Voilà. Donc, chers légionnaires, ne soyez pas découragés. Restez fidèles à votre artiste de Bordeaux Licoufa parce qu'il ne va pas vous décevoir avec son album projet. Merci de liker et de partager cette vidéo et donnez aussi vos avis en commentaire. C'est la réponse.